Les développements à la base voulus par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prend déjà corps au groupement Mushima dans les territoires de Mouchacha. Localisé à environ 65 km de la ville de Kolwezi, ce village porte désormais les costumes de la modernité avec l'éclairage public installé sur fond propre de l'honorable Kaumba Mayonde. 66 poteaux au total changent le visage de ces coins du Lualaba. On a tout éclairage public. Mumkini ya Mushima tunampikia asante sana endelee paka hivi. Sana kwa kitu honorable anafanya mgroupement Mushima parce que ni kitu ya kwanza kuona sheye. Bango yetu yote ilikuwa tu ni noir kama ni bushiku. Bantu wengine wanaanza kuanguka juu ya kufuatana na manjimu ile iko hapo na maibwe. Alors vile alikuwa anatusaidia sana vraiment tunampikia asante sana na hii malumiere kunitusaidia sana. Les efforts du gouvernement provincial menés par Fifi Masuka Saini, gouverneur AI, sont bien accompagnés par cet élu du peuple. C'est ici le moment de saluer la bravoure, la qualité et l'amour qu'a Madame Fifi Masuka, vice-gouverneur de la province, qui se bat nuit et jour pour accompagner la vision que celle qui est implémentée par le chef de l'État, la vision du développement. Dans la construction des routes, la construction des centres de santé, des écoles, etc., etc. C'est pourquoi moi, comme en tant qu'élu légitime de ce peuple du Lualaba dans le territoire de Mouchacha, je ne fais que pousser, accompagner la vision du chef de l'État à travers l'implémentation du développement de ce territoire qu'incarne Fifi Masuka Saini. Outre l'éclairage public, l'honorable Kaumba Mayonde a donné pour la deuxième fois à cette même population de Mushima une dynamo afin d'éclairer tant soit peu les ménages, permettant ainsi à ses électeurs de charger des téléphones, par-dessus tout, suivre les informations via les postes récepteurs, télé ou radio. Éclairage à ma panneau, ça va. Avec ces différentes réalisations sans appel, l'honorable Kaumba Mayonde peint les tableaux de la modernité dans sa base électorale.